FM. Je me rappelle à l'église, quand le prêtre lisait les saintes écritures, tu étais si belle et si innocente. Ouais. Mais j'ignorais que derrière ta beauté se cachait ton vrai caractère qui allait me détruire dans un futur proche. Ouais. Le choix que j'ai fait n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. Oh maman. Now I'm hurting. Oui, maman. L'homme vient te parler de mariage. Le choix qu'il a fait n'a pas marché. I remember when I held you by the hand. Preacher man read the scriptures, pouring word in your mind. What a preacher man said was not something that was within you. Now I know what I mean when they say, beautiful woman is another man's plaything. Oh yeah.
it's not easy, but I hope you will understand it, my son. Après la sortie de cet album, d'autres distinctions sont faites à Lucky Dubé. Il remporte les prix de Best Video of the Year, de Best Live Design pour l'album House of Exile. Et en fin de l'année 92, une cassette vidéo de 90 minutes, Lucky Dubé Live in Concert, est produite. En 93, il effectue une tournée qui le conduit en Côte d'Ivoire, dans les Caraïbes et en Amérique latine. La fin de cette tournée est marquée par la sortie de son 8e album reggae, Victims. Il repart en tournée aux États-Unis, en Nouvelle-Calédonie, en Europe et en Australie. Et de retour dans son pays, il joue avec une dizaine d'artistes sud-africains au festival Africa Against AIDS à Sun City pour une collecte d'argent destinée aux victimes du sida et à l'éducation en Afrique du Sud. En 94, la Gale Music Production réalise un film, The Man de Music, film documentaire dans lequel Lucky Dubé parle de son enfance, sa musique, son engagement. Il est invité en Allemagne pour le festival Rock in Rio. Il embarque ensuite pour une tournée avec Peter Gabriel à travers l'Europe et aux États-Unis. Dans son pays, il est une fois encore sollicité par la South African Business Election Fund pour promouvoir et éduquer les électeurs sud-africains en matière de vote par le biais de sa musique. Un concert est organisé au Ellis Park Stadium où il joue avec Sting et Midnight Hall. Son voyage au Kenya crée des émeutes. La police est obligée de faire usage de gaz lacrymogène pour calmer ces milliers de fans venus le voir au Stade National de Kenya. En 95, sort son 9e album reggae Trinity. Le single Feel Irae sort en Afrique du Sud, soutenu par une immense campagne de marketing. Et l'année suivante, il s'envole pour Rio de Janeiro et Sao Paulo au Brésil. C'est ensuite Monte Carlo qui le reçoit pour le prix de la World Music Award for the Best-Selling African Recording Artist. Il y joue avec Michael Jackson, Seal et Céline Dion. Il revient en Afrique pour un concert au Rwanda et en Angola. Pour fêter le 10e anniversaire de sa carrière en tant qu'artiste reggae, la compilation Serious Reggae Business est éditée en France, en Allemagne, en Hollande, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Côte d'Ivoire et au Ghana, où il est vendu à plus de 20 000 exemplaires et est nommé l'artiste international de l'année. En 97, sort son 10e album Taxman. Il est invité au Ghana pour y recevoir le prix de la Copyright Office International Artist of the Year et en profite pour lancer l'album Taxman en Afrique de l'Ouest. Une tournée de promotion débute en mai avec 6 semaines de concerts aux États-Unis, en Tanzanie, au Ghana, en Ouganda, en Namibie, en Afrique du Sud et en Europe. En février 98, il embarque pour Tahiti. En mars, il est au Brésil. En avril, il remporte le prix Best Pop Performance, Best Producer et Best Reggae pour son album Taxman. Les mois de juin et juillet le voient débarquer en Europe pour une longue tournée et en août, il débarque aux États-Unis pour une tournée de 6 semaines avec Shaggy, Buju Banton, Steel Pulse, Beerus Harmon, Lord Spirit of Unity Tour. En octobre, il joue à Miami. Repart au Kenya en novembre où plus de 80 000 personnes l'attendent. Spécial hommage rendu à Philippe Lucky Dubé avec Ayman Samska. Yeah, man.
Rasta, hey European, Indiana, we gotta come together as one. Hey Rasta, hey European, Indiana, we gotta come. En juin 1999, l'album The Way It Is est mis sur le marché et en novembre de la même année, Lucky Dube atterrit pour la toute première fois au Burkina Faso, pays des hommes intègres, où il donne un concert au stade du Katout. L'occasion pour nous de saluer M. Zerbo Ben Idriss, l'homme grâce à qui les Burkinabés ont pu vivre un concert de Lucky Dube. Pour ceux qui y étaient, ce fut un concert électrique. Un concert que j'ai eu l'honneur de présenter et rappelons que la première de ce concert a été assurée par le tonton Wango Roger. Ce fut un public déchaîné, des gendarmes débordés qui vécurent ce show inoubliable. Oui, et suivront en 2001 la compilation de Rough Guide to Lucky et en novembre l'album Soul Taker. Son avant-dernier album, The Other Side, sort en décembre 2003. Philippe Lucky Dube que nous retrouvons ici à travers une version live Taxman. Ceux qui étaient au stade du Katout se souviennent de cette chanson Taxman, où tous ensemble nous avons chanté Taxman avec Lucky Dube, tout vêtu de jaune. Encore merci au frère Zerbo Ben Idriss. Understand it now. I'll pay for the police.
Himalayan, Himalayan, Mr. Texan. Himalayan, 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 Mr. Texan. Tous ceux qui étaient au stade du 4 août en novembre 99 se rappellent bien. Oui, moi. À travers le monde entier, pour prêcher le message, pour apporter joie, gaieté, espoir. Malheureusement, c'est un monde pollué d'assassins, de gens négatifs. L'album Respect est le dernier album de Lucky Dubé. La belle aventure de celui-là que sa mère, 43 années plus tôt, avait baptisé le chanceux, allait s'arrêter de façon brutale le 18 octobre à Johannesburg, dans la banlieue de Rosentonville, au moment où le soleil rejoignait son lit. Lucky ne savait pas qu'il avait rendez-vous ce jour-là avec la mort, quand il allait déposer ses enfants chez son frère. Il roulait tranquillement sa Chrysler 300C quand soudain il reçut les balles assassines de prétendus voleurs de voitures. Les enquêtes aboutissent à l'arrestation de 5 personnes. Sont-elles réellement les coupables? La question qu'on se pose, quel Sud-Africain pouvait-il prétendre ne pas connaître Lucky Dubé? Et en plus, il ne faisait pas nuit. Toute sa vie, Lucky Dubé a prêché en faveur des bras morts du ghetto, leur montrant le chemin de l'espoir, de la lutte, de l'amour. Malheureusement, ce sont des bras morts du ghetto qui allaient l'assassiner. Comme l'avait dit Peter Tosh, you sorry for the Magadog, he may go round and bite you. Tu as pitié du chien galeux, tu le soignes et c'est lui qui se retourne pour te mordre. Et Bob Marley d'ajouter, man to man is so unjust, you don't know who to trust. Oui, l'homme est très injuste envers son prochain et tu ne sais plus en qui placer ta confiance. Lucky Dubé était un rasta au père. Il ne fumait pas, il ne buvait pas d'alcool. Dans une de ses interviews, il disait ceci. Nous avons essayé l'amour, l'unité, la camaraderie, mais ça ne semble pas beaucoup marcher pour nous. Il faut maintenant le respect, parce que c'est ce dont le monde a besoin. Saluant l'artiste exceptionnel et réputé dans le monde entier, le président sud-africain Thabo Mbeki a présenté ses condoléances à la famille de Lucky en ces termes. Et je le cite. Nous devons pleurer la mort d'un Sud-Africain exceptionnel et nous engager à tous agir ensemble pour combattre le fléau de la criminalité qui a emporté tellement de vies et continue de le faire chaque jour. Fin de citation. En 2006, 19 202 personnes ont été tuées en Afrique du Sud. Le taux de meurtre est 6 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Oui, mon.
10 jours après son assassinat, des milliers de fans lui ont rendu un hommage lors de ses obsèques. Un service religieux a été organisé dans la province du KwaZulu-Natal. Des Rasta et des fans venus du Rwanda, du Libéria, des États-Unis y ont pris part. La procession a été conduite par les fidèles de la African Christian Chembe, vêtus de blanc. Et suivant les rites, le corps de l'Akidoubé devrait être recouvert de peau de vache avant qu'il ne soit enterré. L'Akidoubé laisse derrière lui une veuve du nom de Zanélé et 7 enfants, dont le dernier, mais l'écoulé n'avait que 3 mois. Le reggae de l'Akidoubé est mélodieux, avec des vibrations tirées de son Afrique du Sud natale. Avec sa chanson Together as One, l'Akidoubé a été le premier artiste noir à être joué sur une radio blanche en Afrique du Sud. Comme Peter Tosh ou Bob Marley, l'Akidoubé était autodidacte. Il savait jouer de plusieurs instruments et arranger lui-même ses chansons. Il l'a lui-même dit dans une de ses chansons, Rasta Never Die, pour nous rassurer qu'il n'est pas mort, parce que Rasta ne meurt jamais. Tout au fond de lui, il a voulu partager cet amour. Rappelons qu'il est un enfant qui a grandi sans son père. Un père qui était parti avant sa naissance. Il était un enfant né d'une femme qui n'arrivait pas à avoir un enfant. Ce sont des expériences qu'il a voulu partager. Un amour qu'il a voulu partager. Oh oui, mon. I'm reggae. I mean, the song I wrote some years ago, saying, you know, the bed that I sleep on is a reggae bed, and everything I do is reggae. So I mean, I'll always be reggae, even though, you know, I might do some other projects on the side. I mean, you know, just on the side, but not as my own project. But we grow musically, you know, and so but I'll always be doing reggae. It's in me, you know. I always be doing reggae. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us this evening, and we hope that you'll enjoy the evening just as much as we do. L'Akidoubé n'est pas mort. Il continuera de réchauffer nos cœurs avec sa voix, sa musique, son message. Il continuera d'apporter vibrations positives à tous ses fans. Et notre contribution à nous, à travers cette session, par ma voix, pour lui rendre un hommage vibrant. Oui.
Samska Aloudja prêche la bonne parole rastafarienne. Are you ready? Are you ready?
the thing to share. And so right now we are going to share this reggae music amongst ourselves. I want to hear everybody sing this song with us called Going Back to My Roots, like this. Ourselves. I want to hear everybody sing this song with us called Going Back to My Roots, like this.